Thank you very much. First of all, let me say I'm very happy to be here on this very auspicious occasion for the launching of the Code of Practice for Women in the Maritime Security Domain. I am Air Commodore David Akron, the Deputy Commandant of the Kofi Annan International Peacekeeping Training Center. I'm here as the head of the delegation for this launch of Code of Practice. And I must say that the launching of this Code of Practice, as you may have heard in my remarks, is very, very important to us. As we rightly explained, the UN resolution, United Nations Security Council Resolution 1325, has been with us for as long as 2001. And yet, when it comes to the area, especially in the maritime domain, we realized that there was a gap. So the Kofi Annan International Training Center, in consultation with stakeholders in the region, conducted their research, as we said, with the support of the Danish government to begin to find the gaps, because rightly so, the challenges that we face on the coastal, such as the illicit drug trafficking, hijacking on the sea, and all the other challenges that we face, even so far as the environment is concerned, we realize that the coastal states are impacted. It impacts both on the men and women. Somehow, the women or the policy implementation does not take women into consideration. So this is the gap that we have realized, and that is why we think that we need to create the awareness, especially for decision makers, to be aware that this is not to say that they are not doing anything. A lot has been done. And I must commend Senegal for taking steps to make sure that they integrate women in everything in all the security domain. As we are sat here today, I was very impressed with the fact that it is not a few, but I see that in all the other disciplines, we have women representation, and that is quite impressive. But I think, like I said, the awareness needs to be created, and also to make sure that decision makers who ensure policies also favor the women as it favors men in addressing a solution to the problem. Thank you, Maintenant. L'objectif de cet atelier aujourd'hui, initié par la ASMAR et le Centre de formation pour la paix et la sécurité Kofi Annan, a pour but de renforcer les capacités des femmes pour ce qui est du domaine de la sécurité maritime. Et au sortir de cet atelier, les différentes parties prenantes s'attendent à ce que le gap qu'ils ont remarqué après des années de recherche pour ce qui est de la sécurité du domaine maritime, qui n'ont pas été comblés par la résolution 1225 du Conseil de sécurité de l'ONU, se verra à la fin de cet atelier. Avec une issue positive qui va permettre l'implication des femmes, qui est déjà considérable au Sénégal, mais qui devra être revue et repensée afin de sortir maintenant avec une solution qui permettra une meilleure implication des femmes pour ce qui est du domaine maritime. Les différentes parties prises, telles que le Centre Kofi Annan et la ASMAR, ont une confiance totale aux forces vives ainsi qu'à la participation très dynamique des femmes pour aboutir à combler ce gap qui a été remarqué, qui n'est pas un palier difficile à franchir, raison pour laquelle ils sont très confiants que dans la collégialité, ils vont aboutir à une solution qui va permettre l'implication des femmes dans les instances de prise de décision, surtout dans le domaine maritime. La question qui est du piratage et du banditisme, qui est le volet sécuritaire du Centre de formation pour la paix et la sécurité Kofi Annan. Ils s'attendent à une meilleure implication des femmes. Comme ils l'ont dit, c'est déjà très important la participation et l'action du Sénégal en ce sens.
où il y a plusieurs institutions donc, qui voient une forte représentation des femmes qui occupent aussi des très hauts postes de responsabilité dans, dans leurs entités respectives. Donc, ils s'attendent maintenant à ce que cela se reproduise donc, dans le domaine maritime en collaboration avec le centre Kofi Annan et la ASMAR.